salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné de Tonche. Soir. Lors du dernier épisode, on était rentré dans ces salles creuses qui est un immense donjon. Et on n'est toujours pas, hein, parce que regarde, emplacement ci-dessus. Ouais, mais je sais pas si on n'est pas revenu à la sortie quand même. Tu penses? On l'aurait fini? Baf. Ouais, si, clairement. Ah oui, bah voilà, on avait fini l'exploration lors du dernier épisode. On l'a trouvé. Oh, ce teaser, ce faux teaser. Ouais, t'as vu ça, ça c'est le cliffhanger. Mais on a récupéré une âme. Qu'on va pouvoir aller placer à la maison. Je ne sais pas. C'est ce que dit la quête. Ah ouais. Et bah TP hein. Et on va voir ça. Donc on a récupéré une âme. Alors. Il est où le bâton d'invocation? Alors là. J'ai pas invoqué une seule âme depuis le début du jeu. Oula, attends. Ah, ils ont changé les touches. Hein? À la manette, ils ont changé les touches pour ranger rapidement. Non, moi ça va, j'ai de la chance, c'est resté les mêmes parce que. Je t'avoue, j'ai pas regardé, moi j'ai ouvert, j'ai appuyé comme d'hab, hop. Bah en fait, avant c'était les touches. Je sais pas si t'as souvent des manettes dans les mains. Oui, ça peut m'arriver, c'est pas fréquent. Tu sais, les bumpers en haut là. Ouais. Bah avant c'était ces touches là, et maintenant c'est les gâchettes. D'accord. Pourquoi pas? Oui. On commence à manquer de place, non? Ouais. Par contre, moi je cherche le bâton d'invocation. Où est-ce qu'on l'a fourré ce truc-là? On manque de clous. En ce moment, on a de la ferraille, tu peux en faire des clous. Oui. Ah, il est là. Allez. On va faire. Alors, Alden Crowley, le collectionneur. Je vais le mettre à la porte, tiens. Bonjour. Le collectionneur à votre service. Je suis enfin libre grâce à vous, mon ami. Tous les noms sont éphémères. Ce sont que des sons et de la fumée. J'en ai autant qu'un sablier à deux grains de sable. Pour vous, je serai Alden. Je suis la lumière qui fait signe vers l'aval. Une étoile qui s'éteint derrière les vents du nord. Un collectionneur et un briseur de chaînes terrestres. Je déchirerai le voile pour vous quand vous serez prêt. Le prix à payer est un peu élevé. D'accord. Les crânes de nos amis. Les crânes maniaques sont animés par le ressentiment. Il faut les libérer, les rendre au vent du destin. Fendez leur colère, chauffez à blanc. Faites craquer leurs doigts pâles comme des bréchets. Arrachez les dents en or de leur mâchoire et apportez-moi la tête de la bête borgne qui se trouve parmi eux afin que nous puissions boire dans son crâne. D'accord ? Les gens vous suivent, amis aux yeux brillants. Pourquoi ? Je vois une lumière pulsante à l'intérieur de votre cage thoracique, maintenue par la chair et les os. C'est intéressant. Peut-être avez-vous fait ce que je n'ai pas pu faire sans de flamme. Ils vous ont appelé. La flamme est donc à la fois une bénédiction et une malédiction. Comment le fil du destin se déroule pour nous ? Il plane sur la brise à chaque nouvelle inspiration, une odeur inconnue qui s'installe dans mes poumons. Qu'est-ce que c'est? Une autre malédiction? La brume, vous dites? Une brume maligne qui étouffe les sots et les courageux. Ces questions mortelles n'affectent guère ceux qui s'élèvent au-delà. Vous et moi, tout feu, tout flamme, que nous sommes, continuerons malgré tout.
Le vent du nord les a emportés vers Laval. Elles surgissent des lointaines falaises monolithiques et robustes. Le regard cyclopique, tourné vers les rafales de lumière qui dansent à l'horizon. Attirées par les scintillements comme des papillons de nuit par la flamme. Elles sont fatalement avides. Elles ont fui une fois brûlées et creusées par la malédiction. On peut fabriquer des clés d'os. Clés d'os de la bois envoûtée. D'accord. Ah, lui, il sert à faire les sorts des eaux, les invocations de crâne, les flèches en os, des gemmes d'ectoplasme. On peut faire les... Ah bah voilà, on peut faire les tables des cryptes. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. C'est bio. Oh là là, ça y est. J'ai débloqué les torches sur pied des cryptes, les torches murales, ah ouais. Les placards que t'aimais bien. Oh, magnifique. Ah merde, il me faut du silex. Je vais chercher du silex et je te fais un placard. Yes. Du silex. Ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de silex. Hop. Il y a la chasseresse qui veut parler. Une créature sans visage. Votre... Ah. Ça y est, les tensions arrivent. C'est-à-dire ? Votre tout nouvel ami n'est que le vôtre. Il sent la décomposition. Sa robe et son haleine s'en imprègnent. Je les observe. Il s'attarde près de l'autel. Il fixe le feu, les cendres et les flammes. Je ne vois aucun reflet dans ses yeux, aucune lumière. Cela me donne des frissons comme le faisait le vieux pic hurlant. Ah. Il va peut-être y avoir une histoire de certains PNJ qui vont s'entendre avec d'autres et pas qu'il faudra mettre ailleurs, tu sais. Ah, des sortes de factions. Bah, pas forcément des factions, mais il y avait ça. Ouais, genre Jackie aime pas Micheline. Dans certains jeux où voilà. Jackie aime pas Micheline, donc tu mets pas Jackie et Micheline dans la même pièce, quoi. C'est ça. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs bases. Peut-être. Alors par contre, il me faut. Après, c'est vrai qu'il pue. Il a une lanterne verte, là, bizarre, qui fait de la fumée. J'arrive, hein, je vais chercher du silex. Hein. Je vais aller jusqu'à la petite mine de silex, malheureusement. Ah ouais ? Ouais. Mais ça va aller vite. T'as pas pris le petit silex qui était à côté ? Bah si, il y en a que 5. Ah. Donc si je veux te faire des placards, c'est pas assez. Certes. Excuse-moi. Hein. Alors, navigue dans les procédés. Parce que je vois là, il y a des machins plus 10 machins. Voilà, j'en ai mis 27 en file d'attente. La viande là, donc. Ah ouais, j'avais mis de la viande de loup à griller, moi. Oui, oui, tout à fait. Il y en a 27. Et on sait qu'il y en a pour 1h10. Très bien. C'est farpé. J'arrive, hein. Hop. La porte, oui. Tu veux lequel ? Bonne question. Celui avec 9 petits trucs auxquels on peut mettre dedans, 4 ou 2 ? 9 petits trucs, 4 ou 2 ? Ouais, des... Bah attends, je vais te montrer. Ah, il y a des étagères. Ah oui, d'accord. Trop tard. Oh, le 9, il est beau, le 9. Bah c'est celui que je t'ai fait. Avec ses 3 crânes. Où est-ce que tu la veux ? Ouais, là, c'est bien. Calme-toi, ça.
Nous sommes des gentils. Par contre, il n'y a pas moyen de mettre des choses dedans ? Si, 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 tu dois prendre, par exemple, c'est que les livres et tout, mais je sais pas si tu peux prendre... Bah, je peux pas mettre des potions, par exemple. Maintenir pour régler. Si je prends une petite potion de soin, non, le seul truc que je peux faire, c'est la boire. Bah ouais, mais en fait, les livres, tu peux... Alors, si je prends ça... Ouais, tu vois, ça, je... Ça, je peux pas, ça, je peux pas le placer non plus. C'est un peu dommage. Bon, ça viendra avec les mages. Hein. Oui, oui, oui. La déco. D'ailleurs, petite mise à jour avec les Quality of Life. Tu remarqueras que maintenant, dans les stations de travail, genre la forge ou autre... Ouais. Tu n'es plus obligé d'aller chercher le matos de ce qui était dit. C'est-à-dire ? Et là, tu cliques juste sur ce que tu veux créer et ça vient pull directement tout ce qu'il te faut. Ah ! C'est pas déjà dans le cas avant ? Dans les coffres magiques, hein, évidemment. C'était pas déjà le cas avant ? C'était pas le cas. D'accord. Ça, on s'en fout. Par contre, ils ont enlevé un truc sur les manettes, et ça, c'est chiant. Le déplacement rapide, ils l'ont enlevé. Ah. Ah non. Ah d'accord. D'accord, ok. Il est resté, mais c'est une combinaison de touches qu'avant, c'était une seule touche. C'est super classe. Attends. D'accord. Je les ai posés où ? Là. À propos du collectionneur, je vous ai demandé de visiter les salles creuses, donc, je crains que notre nouvel associé soit en partie de mon fait. Vous savez que je marche sur un chemin de lumière. Ces individus s'attardent dans l'ombre. Un abri pour tous, bien sûr, mais je conseille la prudence. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu vas avoir... Ah, mais on peut faire un globe vert, maintenant on peut faire une boule de cristal. Si on avait du bronze. Bah bravo. De quoi hein? Ça, j'ai mon chien qui vient réclamer. C'était ça le buglement là? Ouais ouais. D'accord. Ah oui, mais on va en avoir besoin du tissu vert, tissu jaune et tout. Pour certains trucs. On va devoir construire plusieurs maisons, je pense. Établi. Bloc luminescent blanc chaud. D'accord. C'est un petit peu classe les blocs qu'on a trouvés sur place. Hein. Ah bon ? Avec de la pierre et du goudron. Les amis où ? Au niveau de la terrasse. Oh. Pour refaire la terrasse. Hein. C'est un peu classieux. Hein. Pour refaire la terrasse. Ouais, c'est dommage par contre, tu vois, il fait des fissures. Ouais. Alors qu'on refasse la déco. Ah là là, les gens. Bon. Qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant?
Est-ce qu'on n'irait pas retenter d'aller dans le désert, quoi? Oui, on peut. Hein. Il nous restait quoi? Ah oui, c'était dans la ruche, là. Dans la ruche? Enfin, dans la termitière. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je démonte ça, là. Ouais, moi je fais dodo, je fais passer la nuit. C'est bon. La nuit est passée. Voilà. Je range mes blocs et on est parti. Ok. Ah, j'ai 3 points aussi à mettre. Quand je te résurrecte, elle sera plus fort. C'est gentil. Alors. Presse à ectoplasme pour le collectionneur. Ah bah oui, ils ont rajouté des nouveaux trucs. Ah bah oui, forcément, il y a plein de trucs à faire. C'est où? La presse est nord-ouest. Et si tu veux, on va d'abord chercher du fer. On peut faire ça, hein. On va chercher le fer avant. Bah, on peut. Et les bah cœurs si. de fer, ça va être... on a un petit peu de route à faire, mais... Et bah en avant. Alors... Où le cœur de fer? Le métier à tisser. Alors le cœur de fer, il est sud-est. On va au cœur de fer ou au métier à tisser? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, les grosses armures ou les petites? Bah, moi je m'en fous. Bah, voilà. Bah, par là alors. Cœur de fer, c'est parti. Il est où le métier à tisser? C'est de l'autre côté. C'est. D'accord. Tu prends notre maison, tu descends au cœur de fer, tu remontes ouais. Vers le nord-est et tu verras, t'as le métier à tisser. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Après, il y a plus de trucs sur la route du métier à tisser. Ouais, on va d'abord faire le cœur de fer. Ok. Zia. Un tatou. Un tatou. Alors, il va falloir se méfier parce que on vient de passer une heure à trash. À trash kill du mob là. Ouais. Bah c'est plus le même level ici. Hein. Oui, mais ils sont plus forts les squelettes. Ouais. Oui. On va manger un coup quand même. Ouais ouais. Pense à prendre du safran et tout pour le niveau de flamme. Attention derrière toi, t'es suivi. Pardon ? Pourra pas me suivre là où je vais. Ah ouais, tu sautes comme ça toi ? Pourquoi je sauterais pas ? Ah zut ! Zut ! Hop là ! Oula ! Ah, c'est les tatous à côté. Oh ! Ah oui. J'ai pas envie d'aller là où on va. Ah. Et si tu voyais le bug que j'ai, t'aurais pas envie de marcher. Alors je ressors de la brume. Est-ce que tu vois le bug qui est juste devant toi? Ouais. Comme l'impression qu'ils ont pas mis la map au même niveau. C'est du calcaire ou du grès, ça.
Non, c'est du sable. Ah ouais, y a un peu de grès avec, mais beaucoup de sable. On a besoin de sable? Oh, un dracon ou je sais plus quoi là. Calmer, oui. Ah oui. Il y en a un autre qui arrive. Hein. C'est pas moi. Ça va, je surviens un coup. Oh, par contre, pas le deuxième. Connard. Ah. Ouais, mais il me tape à côté, mais il me touche quand même parce que. Il y a une hitbox un peu généreuse. Je crois qu'ils ont réparé le skill. Hein. Ouais. Hein. Là, je peux ramper. Ah non, comme je le cible. Chiant, des fois. Ouais, si t'as pas d'arme pour lui tirer dessus, t'es dans la merde. Hein. Bon, ça se fait, hein, mais. C'est-à-dire que toi, c'est plus pratique, quoi. Tu lui retires beaucoup moins de points de vie que lui ne t'en retire. À ce point-là ? Ouais, ouais. Petite popo, non ? Moi, je serais toi, je prendrais une popo. Ouais. Bon, allez. Il en a eu marre. Moi, je fais un petit somme au soleil. Hein. Ouais, je vois ça. Tu feras gaffe à te retourner un petit peu, hein, parce que là, tu frises. Hein. Ah. Ah, mais je vais être obligé de mettre le casque, quoi. Oh. Bon, c'est marrant, j'ai toujours mon compteur d'embrumé. Ah. À 9 minutes, mais il y a. J'ai l'impression que le multi est moins stable. Peut-être. J'ai comme l'impression que c'est en face. Tu penses? Pourquoi tu dis ça? Hein, il y a une tour par contre. Une grosse structure noire là. Oui, il y a une tour, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas essayé de rejoindre cette tour? On peut le tenter. Ce sera peut-être mieux. Par contre, je vois pas du tout par où on monte. Mmh. Il y a une mine là. Une mine de soufre. Un le. Oui, un le. Mais qu'est-ce qu'il faisait là ? C'est perdu. C'est ça. Comme le pain. Oh zut. Oh non. Une barrière qui vole. Oh, elle est belle. Hop. Elle vole plus. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Pas sur moi. Ouais, non, en fait, le skill ne marche plus, quoi. Par contre, les bugs de baguette, c'est pas de problème, ça marche. Ah oui, ça. Oh. Ah oui, il y a un puits d'élixir. Quoi hein? Un coffre. Ah d'accord.
J'en ai trouvé un aussi. Les mecs sont niveau 23 ici. Est-ce que ce serait pas par la droite ? Je ne te vois plus, je ne sais pas où tu es. Juste devant toi. Ta droite. Droite, derrière. Ouf. Est-ce que ce serait pas par là ? Mon dieu. C'est la fatigue ? Bah non, tu n'es plus sur ma... Ton petit curseur n'apparaît plus. Alors d'accord. Peut-être qu'il n'apparaît que quand tu n'apparais pas toi-même à l'écran. Ah oui, ouais, c'est pareil. J'ai pas l'impression que ça soit par ici, mais ah, je sais ça pas. Peut nous permettre d'avoir une meilleure vision déjà. Peut-être. Hein. Oula, j'ai eu un petit lag. Ah, j'ai ouvert ma map. Ça vient peut-être de là. D'un coup, il a chargé la map. Ça me paraît audacieuse. Quoique. Ah, non, c'est audacieux. C'est haut tout court, hein. Alors qu'en tournant autour du rocher, on finit toujours par trouver un coin où ça monte, hein. C'est ça. Attention, un peu de brume rouge, là. Il y a un peu de brume rouge ? Ouais, ça, hein. Sur la droite du patch de brume. Ah ouais. Et t'éviter de tomber. Oui. Dans l'idée, ça me paraît être... Oula ! Ah. Oui, on trouve toujours un coin où ça monte. Bah ouais, regarde là. Écouterai ces conneries. Hop là. Dovahkiin, Dovahkiin, da booty badada. Oh putain, je crois que j'ai cassé mon Dovahkiin. Tu as cassé ton Dovahkiin. Alors, dit autrement, ça pourrait paraître un peu sexuel, mais... Alors, je vois pas bien comment, mais oui. Mais si tu l'appelles ton Dovahkiin. Ah ! Alors non. Même s'ils sont tous mais puissants. Ça, c'est un dit. En fait, ça avait l'air d'être sur la gauche et pas sur la droite. Et t'as une autre grande forteresse aussi. À moins qu'on l'ait faite, celle-là. J'ai fini par y arriver. On l'a peut-être faite. Ça a l'air d'être par là, hein. Non. Attends, je me lave les yeux et je reviens. Pourquoi ? Les graphismes sont dégueulasses. Qu'est-ce qui m'a changé ? T'as peut-être le même problème que moi, il cherche plus les textures. Je sais pas. Pré-réglage équilibré. Non, qualité, s'il te plaît, minimum. Max qualité. Moi, je suis en... Attends, c'est mieux. Quoi, moi je suis en équilibré. Il m'a tout remis en équilibré, mais c'est peut-être que... soit la mage, soit la réinstalle, au choix. Là, je ne le repasse en qualité. On verra. Ouais, ça a l'air d'être sur la gauche, du coup. Par le petit village, on remonte de l'autre côté, et peut-être. Puis hop là. Je vois que ça. Je l'ai pas mis en max qualité. Il me semble que la démo, quand je l'avais faite, je l'ai faite en max qualité. Attention, je pense que... Ah ouais, il y a pas mal d'oiseaux, ouais. Cours,
cours, cours, cours. Je les ai entendus. Cours, cours, cours. Non, il nous a vu. Il t'attaque. Oh oh. Merci. Sale bait. Saloperie. Il y en a encore un là sur la droite. Attends, laisse-le passer. D'accord, deux. Ouais. Oh oh. Ouais, je crois, hein. Ok. Niveau supérieur. Je crois qu'on peut continuer par là. Hein. Effectivement. De quoi hein? J'ai profité de mon niveau supérieur pour prendre le skill de combat rapide. Ah, qui fait que tu tapes plus vite. Ouais. Plus vite et plus fort. Du safran. Ça a l'air d'être sur la droite, on va peut-être devoir traverser la brume. Hein. À un moment, oui, je pense qu'il va falloir traverser le village. Et la brume, du coup. You think? I think so. Buisson friable. J'allais dire, j'ai vu un truc passer au-dessus de moi, mais c'était un Akkad sauvage. C'était un homme. Non, c'était un avion. Attention! J'ai vu le. Ouais, c'est l'autre que t'avais pas vu, je pense. Ah non, je l'ai pas vu. D'accord, il débilise. Il y a un grenadier. Je viens de voir des explosions. Oui, je l'ai vu. Il m'a pris pour cible. Je l'ai rejoint. Le gars fait du monde à l'intérieur. Hein. Ouais, je me doute. Eh, entre le skill de taper vite et le vampirisme sur les armes. Ça va aller. Oh oui, ça va. Oh merde. Il y a un mec qui débilise avec les armes de poison là. Niveau supérieur. Je suis maintenant niveau 23. On traverse comme des sacs à merde. Au secours, je suis en prison. Au secours. C'est con ce qui t'arrive. Et si t'as réussi à rentrer, t'as qu'à réussir à sortir. Ah. Ça va, j'ai joué à suffisamment d'Elder Scrolls pour réussir à sortir de prison. Bah, il suffit d'attendre que le seigneur du coin arrive. Hein. Par exemple. Oh! Pourquoi tu tapes comme ça? Je sais pas, j'essaye de casser la porte. C'est vrai que dans les Elder Scrolls, tu commences toujours en prison. Ou presque, ouais. Il y a des piafs bleus. Des piafs bleus? Ouais. Donc c'est comme les rouges mais en bleu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font de plus, j'en sais rien. De la glace. Peut-être, de la brume. Ah oui, peut-être. Deuxième porte à crocheter après le crochetage.
Aïe. Ça aurait été dommage de louper cette porte donnant sur le balcon. C'est ça. Il y avait du Qui tissu. n'était pas du tout accessible de l'extérieur en plus. Que ce serait pas par là. Quoi? Gan remonte. Regarde tout Oui. droit, on a l'impression qu'on peut remonter la brume. C'est peut-être pour passer de l'autre côté. Hein. Attention, j'ouvre la map. Ça a l'air d'être ça. Hein. Il y a moyen. Hein. Alors, je sais pas si on peut remonter, mais. Ah oui. Oups. À ce point-là. Ça, c'était pas calculé. Bon. Saute pas. Ah ouais? Non, t'arrives à flanc de falaise. Ah ouais. Bon, après, j'ai fait un petit trou et j'ai pu remonter, mais. Bon, je vais essayer de mieux viser que toi alors. Je reprends un peu de hauteur. Ouais, essaye de partir le plus haut possible. Allez, plus haut. Allez, plus bas. T'étais monté sur le toit du toit ou pas? Non, je n'étais pas monté sur le toit du toit. Je t'ai pas sauté du balcon. D'accord. Easy. Oui, voilà. Fallait juste sauter de plus haut. Par contre, il y a des piou-piou au-dessus de nous. Ouais, et puis il y a ces cris là de temps en temps. Hein. C'est bien. Hein... C'est angoissant. Hein. L'ambiance est là. Hein. Oh, c'est quoi? Ah, ça, c'est du lapis-lazuli, ça, non? Alors, il y a du grès, il y a du lapis-lazuli, ouais. Peut-être moins chiant à attention former, celui-là. Il est où? Je me suis gratté le nez. Il faut peut-être encore monter, hein. Tu crois? Je pense. Elle est un peu plus haute que nous, hein. Légèrement, légèrement. Mais est-ce que c'est par là qu'on monte? J'ai pas trop l'impression. Donc on va devoir user de notre technique ancestrale. Oh, tu feras gaffe à la technique ancestrale, j'ai cru voir à travers un mur là. Oui, non, mais ça arrive souvent. C'est la technique, oui. C'est la technique ancestrale du je vois à travers les murs. Tout à fait. Ouais. Attention à pas aller trop loin avec ta technique ancestrale ici. Ah. Mais il y a une route. Oui, il y a une route, ouais. Et ça m'a tout l'air de monter. Hein. J'ai pas mal d'artefacts avec les ombres et le soleil. D'artefacts avec les ombres? Ah oui, d'artefacts, oui. J'en ai plus qu'avant. J'étais en train de me dire, il a trouvé des artefacts, le con. C'est ça. Il les garde pour lui. C'est ça. Terrier de la coquille rose. Là justement, on parlait de termitière. C'est une hydroponie. Non, hydroponique, c'est quand c'est à l'intérieur d'une caverne. Tout à fait. T'es venu voir? Non. Bah, viens voir. Je suis presque à la tour. Ah. Ah, je suis presque à la tour. Oui, à condition de te démerder avec les oiseaux, c'est ça? En fait, la tour est sur une sorte d'île autour de la brume. Ah oui, je vois, ouais. Ouh, fais gaffe, tu t'es fait... Ah non.
C'est pas toi. Il y a un oiseau qui s'en est pris un tatou. D'accord. Est-ce que ce serait pas par ce passage que nous y allons? Certainement que oui. En avant! Bon, si t'entends des bruissements d'ailes, tu t'inquiètes pas. Hein. Non, je suis dans la brume. J'aurais pas trop m'inquiéter. Y'a pas trop de trucs qui volent dans la brume. Mais oui, si. C'est le passage. J'y suis! En avant! Ah, ce sont des oiseaux morts-vivants. D'accord. Je ne sais pas. Enfin oui, il y a de la, y a de la brume, il y a des machins, c'est bizarre. Alors c'est très bien, c'est qu'à côté de la tour, il y a du lapis-lazuli et du soufre. D'accord. Alors c'est bien par l'endroit que je vois là, oui, ça a l'air. Hein. La sorte de d'arche là. Ouais. Ouais, c'est là. J'y suis. J'avance. C'est l'ombre ouais, de ils ont dû vouloir essayer un truc avec la lumière, mais c'est pas... Ouais, parce que là, là j'ai une tache d'ombre, mais il y a rien. Ah oui. Ouais. Ouais. Ils ont dû modifier des trucs sur la gestion de la lumière. Ouais, je pense. Il y a quelque chose. Parce que on a plus d'artefacts qu'avant et bah, des traces d'ombre quand il n'y a rien, ça n'existe pas. Ah, c'est parce que t'en as jamais vu, c'est tout. C'est ça, c'est comme les licornes quoi. T'as pas de preuve que ça n'existe pas. T'en as juste jamais tout vu. À fait. Évidemment. Rasoir de cam, tout ça, tout ça. Cours, 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 cours. Tu crois que ça rentre dans les tours, ça? Non. Hop. Si. Par contre, ça prend pas les TP. Ah non. J'ai déjà ouvert la porte. Oh, GG. C'est laquelle? Celle-là. Elle. Quel talent. Tu te faisais manger à toutes. Non mais c'est bien parce qu'avant c'est... Sans exception. Avant c'était moi. Ah j'en ai pas loupé une seule. Hein. Alors il y avait un crew ici. Okay. Oh j'ai de la poudre de charbon. Ah ouais. Est-ce qu'on va pouvoir faire de la poudre noire tu crois? À un moment dans le jeu. Aïe. Est-ce que tu penses qu'ils auraient prévu la poudre noire? C'est une possibilité, hein. Il y a de la grenade. Hop là. Pourquoi t'es remonté? Ben je ne sais pas, il n'y avait rien. T'es passé à côté de la porte, quoi. Ouais, ouais tout à fait. Tout à fait. Et je voulais voir s'il n'y avait pas un coffre. Hmm non, il n'y a pas de coffre. Hop. Ah, il faut deux boutons ici. Un bouton là. D'accord. Ah, est-ce que j'ai pris un arc avec? J'en ai un. J'arrive. Oh, Sam. Oui, ça a marché. Vous savez, le tonche, il faut lui dire que des fois, ce qu'il fait, ça fonctionne. Comme ça, il se sent mieux après. C'est moi ou j'ai comme un air de déjà vu là? Je crois, ouais. La première, hein. Elle me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais j'appuie sur le bouton de saut, mais il saute pas mon perso. Quel con ce... C'est pas par là en fait. Bah si. Ah, c'est chaud un peu. En fait, c'est parce que mon perso il a mis ses chaussures en savon. Ah. Ouhou. Et pourquoi il saute plus mon perso quand je sprint? C'est bizarre ça. Hein. Mon perso il saute plus comme avant. Marrant ça. Intéressant. Voilà. Ok. Allez. Tu peux pas casser cette fenêtre là? Non. T'es con. Ok, vu. Ouhouhouhouhou. Hop. Tu feras gaffe, il y a pas mal de petits trucs là qui piquent un peu. Ouais, j'ai vu. J'ai déjà activé un bouton. Alors, je confirme qu'ils ont refait toute la trad, hein, parce que ma grenade, c'est devenu une balle de poudre noire. Ah. En vrai... Ça se tient. Hop, ok. Oh, un deuxième coffre. Une hache à 70 de dégâts, ça te va ou pas? Ah! Ouais, mais elle va être à demain, cette oui, affaire. Oui, elle est à demain, ouais. Oui, ça... je ne vois pas de passage. Ah, peut-être là en face. Alors moi, j'ai activé un bouton. Ouais. Mais je sais pas si c'est... Moi, je suis au TP. D'accord. Ah, t'es passé par où? Ah bah. En haut. Hop. Ah, pas par là. J'arrive. Ah non, fini la tour. Ah oui, t'es là. Ah oui, non, tu te débrouilles là. Fini la tour. Hop. C'est le dernier, tu crois? Bah, je pense, ouais. Attends, t'as fait tout de suite. T'as fait comment pour monter? C'est bon, je suis en haut. Hein. Ouais, je me doute, je l'ai vu. Et sinon, au lieu de tourner à gauche pour parmi les éclairs, tu prends tout droit les pics. À gauche pour les éclairs, tout droit les pics, hein? Quand tu prends là où t'es mort. Ouais. T'avais tourné à gauche pour arriver dans les éclairs. Ouais. Et bah en fait, il faut aller tout droit. T'es à l'étage... T'es à cet étage-là, là, déjà? Ah oui, d'accord, ok. T'as trouvé? Ah oui, non, ça m'a ramené en bas, ça. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oui, ok. Et j'ai été attiré par le loot. Évidemment. Toujours. Ok. Oh, le temple du soleil. Ah mais on est juste à côté du cœur de fer en fait. Pas très loin en tout cas, ouais. Il y a un temple du soleil à droite, il y a un temple du soleil au sud. Temple du soleil au nord. Et un temple du soleil hanté au nord. Au nord. Et un autre temple du soleil, effectivement plus au nord encore. Pourquoi il y a de la brume jaune? Où ça? Sous nos pieds. Effectivement, c'est bizarre. C'est jaune-vert ça, non?
Il y a du rouge. Et donc le cœur du soleil, ouais, c'est derrière la brume rouge qui est là-bas. Le cœur de fer, ouais, c'est là-bas, ouais. En avant. Ah, c'est peut-être un truc de couleur avec le soleil. La brume jaune. La brume jaune? D'accord. Ouais, parce que quand je passe au-dessus, il y en a qui devient bleu. Je sais pas si on peut aller au cœur de fer, là. J'ai comme un doute d'un coup. Je vois beaucoup de rouge par là. Ouais, peut-être. Merde! Ah! Je suis mort. T'es tombé où? Ah oui, effectivement. J'avais plus assez d'endu. Bah, pas mieux, heureusement que tu m'en as parlé parce que. J'étais parti pour faire exactement la même. Alors, je m'occupe de ce monsieur là et je suis à toi dans la foule. Oh. Il est à ton cul. Je prends un peu d'endu, je prends un peu d'endu, je prends un peu d'endu. Il est à ton cul. Et t'es mort. Eh, ça se voit, ouais. Vas-y, mon petit onge, vas-y. Quel talent. Nous disions donc, ressuscitation, ça n'a pas changé, c'est bien. C'est ça. Ah, t'as vu tout ce que j'ai looté sur cet animal. Waouh. Alors attends, bouge pas. Je t'ai envoyé cette hache. La hache de bourreau. Oui, mais ça c'est mieux. Hein ? Oh, c'est long. Ah bah c'est une arme à deux mains. Ah ouais. T'es parti où ? Je sais pas, je suis monté. D'accord. Parce que c'est de l'autre côté en fait. Mec. Il y avait des gens à tuer. Plein sud, mon ami. Mais je suis sûr qu'il y a un passage dans la brume bleue. Peut-être. T'as un peu de pierre sur toi ou pas? Pas suffisamment. On va peut-être essayer d'en trouver pour se faire un petit hôtel à côté. Attention, attention, attention. Il y a du volant. Eh oui. Et ça pique. Ah, je crois qu'il t'a vu. Ouais. Je croise aussi. Ah, le critique dans le dos à 170, je l'ai vu. Hein. Ah, ça fait du bien. Alors, cette brume. Oh, double scorpion. Et volant, j'ai l'impression, attention. Volant, volant, volant. Je m'occupe de Pew Pew Man. Vas-y. Je te présente son dos. Aïe, saloperie de scorpion, il m'a aggro. Ok. Brume mortelle. On peut sauter sur leur nid. D'accord. Soit. Pourquoi pas, hein. Attention, il va te voir, hein. Je sais. D'accord.
Il a peur, il fuit. Ça. Ok. La brume jaune, c'est de la brume mortelle, c'est ça? Alors la brume jaune, oui, a priori. Allez voir. Non, brume est normale. D'accord, bah il va y avoir une poche de brume rouge dans l'autre. C'est ici sur le normalement plein sud. Ouais, il doit y avoir un passage dans la brume. Oui, j'imagine. Attention, volant. On voit rien. On est bien d'accord. On y voit comme à travers une pelle. Hein? Bon, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bah écoute. Tu les occupes? Je m'en occupe. Il y a du monde, hein? Ouais. Explosion! Explosion! Il m'a one shot. Waouh! Bon courage! Ouais, je vois ça. Ah, mais le scarabée explosif qui arrive de derrière la racine de brume, j'ai apprécié. Aïe! À ce point-là? Oui. Hein. Ah tu bah là, moi, les deux qui balancent des sites machin, là. Ouais, ouais, je suis mort aussi. D'accord. Les deux qui balancent leur lame, là, plus les scarabées. Ouais. Bon, on est reparti. Hein. Bah évidemment. On n'avait pas les laissés comme ça non plus. Peut-être éviter de s'écraser cette fois. Peut-être. Fais gaffe, on a nettement moins d'endu qu'avant. Hein. Ah, je sais, mais moi depuis que je suis mort. Hein. La première fois. Ah oui. Oh, bah il y a une racine de brume là. Encore? Ouais. Ah bah ouais. Bah écoute, puisqu'on y est. Oui. Alors est-ce qu'il y a encore une saloperie de scarabée explosif qui va sortir de derrière les fagots ? J'en ai vu un au sol. Voilà. Trou de cacahuète. Ils sautent maintenant, les ennemis. Ah bon? Bah, ceux-là, en tout cas, ils sautent. Je leur fais zéro dégâts. Les mecs en armure, je leur fais zéro dégâts. Là, je leur fais 152, mais ils ont tellement de vie. Je vais crever. Encore. Ouais.
Bon, j'ai tué l'archer. Ouais. Adieu Gérard. Oui, je l'ai celle-là. Oui, évidemment. J'ai tué le piou-piou. Ok. Wow, 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 il y a des flèches qui volent dans tous les sens. Oh, salaud! C'est un double kill. Mais il te vise toi, il me tape moi. Saloperie. Bon. C'est arrivé, hein. Y'a pas de raison. On n'a plus de raison d'aller là, au fait, hein. La première racine, je veux dire. On a récupéré notre staff. Oui, oui, il faut voir ce qu'il y a par terre, mais oui, effectivement. Mais on peut le récupérer, il se barre. Ah, certes. Il doit être quelque part par là, mais je sais plus où exactement, j'ai pas de marqueur. Moi non plus. La racine de brume a été plus haute. Plus haute, c'est-à-dire? Plus sonore. Tu penses? Bah, j'ai envoyé un ping. Ah oui, t'as marqué. Moi, si le camp sépulcral. Ouais. Alors, on est mort quelque part ici. Juste au-dessus. On n'a pas de tombe. Ah, on avait peut-être rien sur nous. Peut-être. On est mort juste là. Toi t'es mort là et moi en dessous là. Bah y a pas de tombe. Tu feras gaffe, y a du sol rouge là où j'ai sauté. D'accord. Ah oui. Et y a un endroit safe où ça passe nickel. Bah moi je suis passé. Oui, ça passe. Large. Et il y a un truc de respawn aussi. Oh, c'est beau ça. Si ça peut nous éviter de repasser là-dedans, c'est bien. C'est pas faux. Bah écoute, moi je te propose qu'on aille vers le cœur de fer, pardon, lors d'un prochain épisode. Bien sûr. Et on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Salut.